Humbles salutations, je suis TX9000 et ceci est le 14e épisode d'Alien Isolation. Donc, nous venons de récupérer le kit médical pour la petite Taylor, notre nouvelle amie Taylor qui est là, qui est magnifique mais qui est surtout magnifiquement blessée. Nous sommes en rade de ressources, nous ne pouvons pas faire de medikit, nous ne pouvons pas faire de mini-UM, ni de cocktail Molotov pour se débarrasser de l'alien, ce qui est très fâcheux. Le rapport d'autopsie, je vous laisserai le lire. C'est page suivante. Blablabla, très bien. Partager erreur, boucler la zone. Et pas d'utilitaire. Alors. Turner, on a eu une tuile ici à San Cristobal. Bouclez la zone et faites en sorte que personne n'y touche jusqu'à ce que Garcia rapplique avec le légiste. Motus et bouche cousue pour le moment. Pas un mot. Faudrait surtout pas que la station cède à la panique. Oh, et encore une chose, si je découvre qui a balancé à Ransom, je lui ferai bouffer son badge. Il est arrivé comme une fleur, a prétexté les privilèges de Sixon et s'est assis aux premières loges pendant tout ce bordel. C'est un incident grave. J'ai vraiment pas besoin que Ransom vienne compliquer les choses. Waits, terminé. Bon, d'accord, ok, il est là, il vient. Non, il fait demi-tour. Il y a inégal. Ok, il est parti, il s'en va vers là-bas. Est-ce que c'est là-bas qu'on doit aller? Pas du tout, justement. Parfait. Bien. Donc, visiblement, le Marshall Waits a découvert des trucs. Le Marshall Waits sait des trucs. Mais le Marshall Waits n'a jugé bon de ne rien dire. Ou justement, s'il dit, c'est dissimulé. Bon. Il est là-bas au fond. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient ici. S'il vient ici, on est mort. Ouais, ok. On va rusher une instance de sauvegarde au plus vite. Ah si, putain, il est par là. Allez au placard. Elle va pas me dire qu'avec ce raffut, il ne nous trouverait pas, quand même. Sympa, il y a des photos... Il est là-bas. Parfait. Il se balade dans les conduits à nouveau. Je peux pas passer l'occasion. Pas rater l'occasion. Ok. Il faut qu'on passe par là pour retourner. Si je passe par là, est-ce que c'est valide? Pas du tout. Pas du tout, mais en revanche, par là, c'est bon. Si bien entendu, monsieur, ne nous tombe pas dessus, parce que là, je peux vous dire qu'on reprend de loin si on... s'il nous chope. C'est là. Fantastique. On va courir un peu. Et sauvegarde. Maison. Pas touche, pas touche. On a gagné. Ouh. Bien. La suite. On va aller là-bas, mais maintenant, ça nous pose moins de problèmes vu qu'on a sauvegardé. On pourra y retourner directement en rushant comme des fous. Il est là. Là-bas au fond. On va tâcher d'avancer. On va avancer. Comme dans tout bon film d'horreur, ne pas se retourner. Et nous sommes arrivés, je crois. C'est bon? C'est pas bon? Et ouais, et donc? La réception du centre est un cul-de-sac. Je peux pas sortir. C'est la seule sortie possible. Ripley, c'est un hôpital public. Il y a forcément une procédure d'évacuation. Bon. Génial.
Il nous faut amorcer les procédures d'évacuation qui se trouvent ici. Bien, c'est formidable tout ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je me réserve tout ça pour arriver jusque là, pour délivrer ceci, pour pouvoir revenir là, pour pouvoir repasser par là. La montagne du fun, les amis. De l'amorce, mais je peux rien en faire. Je peux rien faire, c'est relou ça. Les gars, donnez-moi du mélange B de l'agent collant là, regardez ça, je suis plein de partout. Et même le pistolet seringue, j'en ai beaucoup trop. Je vais pas me plaindre, cela dit, mais bon, quand même. Des munitions de taser aussi. Il est là-bas, il arrive par là. Il se balade dans les conduits, je sais pas. Ensuite, nous sommes ici, mais après là-bas, c'est là-bas que c'est verrouillé. C'est ça, si je ne m'abuse, si j'ai bien compris. Des piles de lampe torche, j'ai déjà fouillé ça. Le conduit est ouvert. On va tenter le conduit. Mais qu'est-ce que... c'est jouable. À vue de nez, je dirais que c'est jouable. Peut-être quelque chose d'intéressant dans ces conduits. Ah ! Non, rien du tout, c'est juste du décor. Bon. Très bien, si c'est du décor alors. Il est là-bas derrière. On va faire des économies d'énergie, n'est-ce pas ? Attendez, je vérifie. Nous sommes à 6 sur 6 au niveau des piles. Ben, on est tout bon, là. On est tout bon. Ici, il n'y a rien du tout. Là, ici, on n'a rien du tout non plus. Eh ben, dites donc. C'est vrai que je me faisais la réflexion la dernière fois, vu qu'on s'est fait boulotter le pif un paquet de fois. Je me faisais la réflexion et je me disais, ah mais quand même, le bidule, il peut totalement venir. Il est juste à côté, mais c'est pas sérieux. C'est infernal. Comment tu sais toujours où on est? Bon, vous me direz, c'est le principe d'un super prédateur, mais bon... Quand même. Ok. D'accord. Ah, ok, c'est bon, je crois que... Ah, sérieux, t'es verrouillé, là? Merde. Donc, je crois qu'il était juste de l'autre côté, là. Ok. Alors, où sommes-nous? On est dans un endroit fort... fort beau, fort bien, n'est-ce pas? Oh, c'est pas vrai, il est là. Les effets de bave sont géniaux. D'accord, donc ici aussi on peut se faire attaquer. Bon, en même temps, nous n'avons aucun répit. Depuis le début du jeu, là, nous... Finalement, le seul endroit où on avait des répits... Et puis vrai, les munitions de revolver, ça y va. Les détecteurs, etc. Mais j'ai toujours pas d'agent collant. Tous les patients en transition doivent fournir leur numéro. Donc, ok. Ce monsieur est là, il a les yeux blancs. Donc, vous vous doutez bien qu'il va se réveiller, qu'il va sortir de sa torpeur. Celui-ci aussi? Non, t'es sérieux? Ça serait bien que non. Là, ici, il y en avait un aussi, mais visiblement, il est sorti. Là, il y avait quelque chose, mais voilà. Là, ok, bon. On va devoir en plus se forcir des synthétiques. Ah bah, dites donc. Ça promet, grosse ambiance. On va déjà réamorcer les générateurs. Là, petit bouton, et c'est bon. Allez. Ok, pour déclencher
Les procédures d'évacuation, il est toujours là. Nous avons une borne de sauvegarde. Eh bien, ça fait un boucan. Ennemi proche, me dit la borne. Oh ben, sans rire. Sans rire, ennemi proche. À ton avis, c'était... Oh ben, il est parti. Non, il était là. Il était à celle-là. Ça me dit ennemi proche. À ton avis, c'est quoi ces machins dans les tubes? Cela dit, on va commencer par là. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre à quel point cet outil est formidable. Vous allez comprendre à quel point cet outil est génialissime. À quel point on va pouvoir s'amuser. Voilà, il va sortir. Je propose directement d'aller le voir. C'est lequel? C'est lui. Ok. Là. Ah non, relou. Ne m'étrangle pas. Voilà. Il est tellement décédé à travers le sol. Il nous a fait très mal. Il nous a fait très très mal. Mais je crois que ça valait le coup. Je crois que ça valait le coup. Mais mon taser est rechargé? Bon. Bon, je sais pas. Visiblement, faut croire. Tout est plein. Il nous manque plus... Qu'est-ce qui nous manque là cette fois-ci? C'est le mélange B. On a un peu d'agent collant qu'on a obtenu sur lui. Bah, du coup, lui, il est devenu hostile, puisque j'ai buté l'autre. Bah, la dernière fois, j'étais en train de bidouiller ici, et puis tu m'as... T'as été relou, hein, donc moi, je dis... Et je me suis trompé. J'ai fait une fausse manip. Bon. Alors, ce truc, le demi-V, et l'espèce de S obèse. Droit d'administrateur obtenu, courant rétabli. Des infirmières synthétiques travaillent dans ces locaux. Vous pouvez également demander à... Allez, on fuit. Par là. Détecteur, on est plein. Ça clignote de partout. Oh. On a failli passer. Et du coup, comme... je suis pas parti du bon côté. Je ne suis pas du tout parti du bon côté, les amis. Est-ce que ça passe par là? Pas du tout. Faut reprendre par là. Il est parti. Allez, par là. Donc, c'est par l'ambulance bay? Non, pas du tout. C'est par ici. C'est verrouillé? Chier. Ok, bon. Je vais tenter de repartir par où je suis venu. Non, pas par là du coup. Bon. Le machin, il arrive. Là, je pourrais pas repasser par là. Oh, je suis obligé de me taper tout le tour. Sérieux? Comme il a pas pu m'avoir avec sa bave de l'autre côté, il est venu nous chercher jusque là. Bon,
Quand il siffle comme ça, c'est qu'il nous détecte. Il sait qu'on est là, mais il ne nous trouve pas. Ok, il est là-bas. On va partir par... Du coup, vu que c'est verrouillé ici, c'est notre sas d'accès, il faut que je passe par là-bas. Bon, j'étais bien sur le bon chemin, je m'excuse les amis. Je m'excuse, j'ai voulu prendre le chemin le plus court, voyons, mais on est dans Alien. Le chemin le plus court, c'est celui qui passe forcément par l'Alien. Mon dieu, c'est impossible. Regardez-moi tout ce tour que ça nous fait faire. Il y a encore des mecs qui sont pas tous morts? Ils ont pas été tous boulottés? Fabuleux, incroyable. Moi je pensais que l'alien il s'était baladé puis qu'il avait fait un petit carnage, tranquille, au calme, comme d'habitude. Visiblement pas. Parfait. Alors, cinématique. Oh! Ah, une fois de plus, nous allons mourir? Non, bon, c'est bon. Du feu. Ça va le faire partir. Mais nous, dans quel état allons-nous être? Bon. Bonne ambiance, déjà. Ça laisse rêveur pour la suite. Bien, s'échapper. Dans notre bonne, toi, je fais comment? Non, il faut une échelle ou quelque chose. Bon, pas par là, y'a rien. Échappez-vous. Par là? Ouais, par là. Là... Ouais. C'est pas parce que c'est la fin du monde qu'il ne faut pas récupérer les ressources. De toute façon, l'alien il viendra plus nous boulotter, on est tranquille, là. Bon. On sera plus becqueté par l'alien. Par où est-ce qu'on peut avoir un conduit pour s'échapper? On a une sortie là-haut. Ouais, le problème c'est que la vie descend là et... Bah, bonjour quoi. Ah c'est relou, je me souviens pas par où on s'échappe. Il y a forcément une échelle, quelque chose, non, rien. Mais oh, mais c'est pénible ça. Là-bas non, c'est une cul-de-sac. Là, ici, c'est verrouillé, y'a rien. Y'a rien pour m'indiquer de m'échapper. Putain, l'échelle était sous mon pif, quoi. Allez, hop, on va monter. Allez, grimpe. Ah, touche de déplacement vers le haut maintenant. Voilà. Ok. Très bien. Allez. On va grimper, on va y arriver. Allez, grimpe. Attention, les barreaux, ils ont pas l'air très... Ok, la petite explosion qui va bien. Ok, ah ouais, d'accord. La chaleur a décollé les panneaux, plus ou moins, visiblement. Et qu'est-ce qui se passe-t-il après? Touche de déplacement haut. Ouais. C'est... Ah oui, il faut attraper ça. Ok. Bon. Vertigineux. Allez. Monte. Grimpe. Bon, voilà, un peu de répit. Oh, super, toute cette vie qu'on a perdue, bon sang. Pff, ça vaudrait presque le coup de recommencer, juste parce que on a perdu autant de vie. Recommencer le passage depuis là-bas. Je sais pas. Je pense que
par précaution, je devrais recommencer histoire de tenter de récupérer un peu plus de vie. Parce que là, quand même, je suis désolé, on a failli crever comme des cons. Déjà que les medikits, ça court pas les rues en ce moment. Je manque de mélange B, d'agent collant. J'ai du pistolet seringue, certes, mais quand même. Bon, du mélange B. Je peux en faire un. Bon, j'ai rien dit. Petit sursis. En tout cas, je ne vais pas me priver de l'utiliser. Voilà, je pourrais presque utiliser l'autre pour se remettre vie à fond, mais bon. On va jouer sécurité. Ok, donc on est à goût là. Où est-ce qu'on est retombé? Laboratoire de recherche pour le soudeur ionique. L'alien, il a lâché l'affaire. La carte nous dit qu'on est où? Ah oui, d'accord. Donc en fait, là, c'était la réception. Donc là, ça a pris feu. On est passé. On est de ce côté-là. Et on peut directement accéder à l'ascenseur. Excellent, donc. Excellent, excellent. Succès déverrouillé, prise au piège. Ouais. Ouais, mon cochon, on est pris au piège. En plus, on a perdu de la vie connement en allant affronter le synthétique. Bah, dites donc. Défaut détecté. Plutôt sympa l'ambiance par ici. Bon, bah, conduit. Hein? Conduit dans lequel peut se jeter l'alien et nous becter. Nous dévorer. Pour se faire dévorer par l'alien, oui, tout à fait. Un détecteur. J'aime bien comment il y a plein de trucs abandonnés dans ces conduits. Un pack de recharge. Qu'est-ce que j'ai que je pourrais faire? La bombe tuyau. Ouais, c'est juste... En fait, c'est juste une mine. Une mine! Juste une mine. Bon. Deux packs de recharge. Je peux en faire quoi des packs de recharge d'ailleurs? Hein? Ouais, dites-moi. Pack de recharge là, ok. Et ça, j'en ai besoin où? Alors attendez, il faut que je localise l'icône. C'est le plus moins. Le plus moins, il y en a besoin pour l'émetteur de son. Je peux le faire avec quoi l'émetteur de son? Un pack recharge, un détecteur et un pistolet seringue. Là, au cocktail Molotov, je peux faire une bombe tuyau, mais le cocktail Molotov, il a besoin de l'éthanol, il n'a pas besoin de pack recharge, il a besoin d'amorce par contre, de deux détecteurs, de deux mélanges B, d'une amorce, pardon, de deux mélanges B et de deux éthanol. Ok, bon. Je ne sais pas bien si ça vaut les coups tout ça. Mais bon, on va pas s'éterniser ici, on va s'avancer. On va tâcher d'aller retrouver Taylor et Samuels. Au passage, je me demande bien ce qu'on a, où est-ce qu'on aura pu mettre... Ah, un peu de Camelot, parfait. Où est-ce qu'on aura pu mettre cet énorme kit médical? Il manque un morceau, il faut que je répare ça. C'est pas vrai. Ascenseur défaillant. Où est-ce que nous sommes là? Bon, il y a du monde là-bas. Ben, va sauvegarder alors, hein. Je vais peut-être revoir mon opinion sur la bombe tuyau. Deux pistolets seringues. Ça fait cher, ça fait très très cher. Ça fait très très cher la bombe fumée. Grenade aveuglante, je ne peux pas, mini-UM, je ne peux pas. Eh ben, revolver et on va faire un carton. Et puis c'est tout. L'alien n'est pas loin. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, celui-là? Il nous dit par là.
Faut réactiver l'ascenseur. Bon. On n'a pas beaucoup le choix. J'éteins la lumière. Ouais, je vais éteindre la lumière juste là quand ça se commencera à s'ouvrir. Pour ne pas me faire spotter. Mahoney était vivant. On s'est fait attaquer. Des pilleurs. On a tout vu sur les images de la sécurité. Vous pouvez venir ici ? On est coincé. L'ascenseur est en panne. C'est juste à côté de l'entrepôt des systèmes et des synthétiques. Il y a plein de trucs pour le réparer. On sait pas trop où chercher. Ça a mis en marche un androïde de réquisition. Il est malade ou quoi ? Peterson demande si t'es pas devenu complètement taré. Je te rappelle que ces trucs se sont mis à attaquer tout le monde. Il reste amico tant qu'on fait rien d'interdit. Ça devrait pas poser de problème de parler à un androïde. Comment réparer la console. Ok, terminé. Enfoiré. Ça devrait pas poser de problème. Ben moi je vous préviens que je vais pas faire ami-ami avec un de ces trucs. Bien, je vais me planquer ici. Qu'est-ce qui nous dit ce conduit? Et oui, il est très bien ce conduit, mais... Bon. Conduit très bien, mais plutôt inutile, j'ai l'impression. Ah, oh, c'est pas vrai. Allez, remets une pile. Remets une pile. Recharger. Tu recharges? Allez. Ah, merci. Point trop tôt. Lumière ici. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Une minute, laisse-moi réfléchir. Tu pensais que c'était quoi, le bruit, tout à l'heure ? Ça ressemblait à une explosion. Ça, j'avais bien compris, gros malin. Mais je veux dire, qui a fait exploser quoi ? C'est sûrement Waits. J'ai entendu dire qu'il essayait de tuer la créature en posant des pièges. Des charges à détonateur. Vous vous rendez compte ? Ce mec a perdu les pédales. Peut-être que c'est la solution. J'ai entendu dire que Waits tient une sorte de corne réfugiée pas loin des galeries. On pourrait y aller. Vous avez rien écouté de ce que j'ai dit, ou quoi ? Ce timbré fait tout péter. Non merci. Ouais, mais on n'a plus beaucoup de choix. Alors ferme-la et laisse-moi réfléchir. Bien, nous avons eu une conversation plutôt intéressante. Apparemment, le fameux Marshall Waits. Je crèverai pas ici. Pas question. Ah, ils sont là. Cool. Ils sont juste là, je suis juste en dessous d'eux. Donc bien sûr, comme classique de la maison, l'alien va venir. Je t'ai veillé, du con. Si on doit s'en sortir, tu me seras plus utile en vie. On n'est pas tout seul. Les tirs ont dû attirer quelque chose. Lâche l'affaire. Ce suspense. Chers amis, je vais donc vous laisser là pour cet épisode. Ramasser l'agent collant qu'on nous offre très généreusement. Je peux faire un medikit alors. Ah ben non hein, parce qu'il faut du mélange B. Bon, eh bien, je vous laisse sur ce suspense haletant, chers amis. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci d'avoir regardé cet épisode dans son intégralité. Humble salutation, c'était TX9000 sur Alien Isolation. Voilà, cette vidéo d'Alien Isolation est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée dans son intégralité. Vous pouvez bien entendu laisser un petit pouce en l'air dessus. Petit j'aime, quoi. Je vous propose également de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez suivre cette passionnante aventure. Vous pouvez également retrouver l'épisode précédent ici, ainsi que l'épisode suivant ici même. Vous avez toujours la possibilité de partager ces vidéos sur Facebook ainsi que sur Twitter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. En attendant, ne fuyez pas trop loin. Humble salutation, c'était TX9000.